Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui les Lunishmat Fortuné Bat Louisa et Moshe Ben Yaakov Tara Bakohen. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions Maschet Pesachim, Père Exaïn, Mishnah Teta Pesach, chez Yatsa. O Shenitma, Yisaref Miyad, Nitmeu Abéalim, O Shemetu, Te Ubar Tsurato, Veisaref, Beshisha Asar. Rabbi Yochanan Ben Broka Omer, Afze Yisaref Miyad, Le Fi Sheinlo Ochlin. On commence par traduire et puis après on va dégager la généralité qui génère en fait toute sa lachot. À Pessah chez Yatsa, un korban Pessah qui est sorti, soit le korban Pessah, il doit être consommé à l'intérieur de Yerushalayim, dans les murailles, et pas à l'extérieur. Si toutefois quelqu'un est sorti en dehors de Yerushalayim avec le korban, puis après il est re-rentré, même une seconde, même s'il est sorti à l'extérieur, on aura l'occasion d'expliquer plus exactement quelle limite précise. En tout cas, il est sorti même. Donc, le korban, il est devenu. Il a été invalidé à la consommation, on ne pourra plus le manger le soir. Le but de la Mishnah, il va être de nous dire qu'est-ce qu'il faut en faire. Il va falloir le brûler, mais quand exactement, comme ce qu'on va découvrir. Ça, c'est donc Pessah chez Yatsa, le korban de Pessah qui est sorti des limites de Yerushalayim. Ou encore Oshenitma, ou bien qui est devenu impur. Il était en contact avec quelque chose d'impur. Alors la Mishnah me dit, Issaref Miyad, tu pourras le brûler tout de suite. À la différence de Nitmeu Abéali Moshe Metu, si c'est le propriétaire qui est devenu impur, donc il ne sera pas apte à consommer le Korban Pessah, Moshe Metu, bien que le propriétaire est mort, que tous les propriétaires du Korban Pessah sont morts, donc on a un Korban Pessah qui ne pourra plus être consommé. Sauf que si vous faites attention, le problème n'est pas dans le Korban Pessah qui a été invalidé. Le problème, il est chez le propriétaire, il n'y a plus de propriétaire qui est apte à le manger. Donc le korban pessah, il est très bien, en théorie. Il ne peut pas être consommé. Alors la Mishnah me dit, ben, te ubar tsurato, il faudra lui faire un ibur tsura, lui faire, littéralement, ça veut dire le défigurer, le avir le tatsura. Lui, mais en fait, ça veut dire tout simplement le laisser passer la nuit. Il faudra le laisser passer la nuit, comme ça il est devenu apte complètement à la consommation. Et seulement après, veisaref, beshishasa, et tu le brûleras le 16 Nissan. Soit le Korban Pessah, on a fait le 14 Nissan, on a eu dans l'après-midi du 14 Nissan, ou même en début de soirée du 15 Nissan, ça ne change pas au problème, les propriétaires qui sont morts, donc il n'y a plus personne qui va consommer ce Korban. Ce Korban, on ne peut pas le brûler tout de suite, il faudra le brûler quand? Il faudra le laisser d'abord passer une nuit, maintenant tu laisses passer la nuit du 15. Techniquement, la nuit du 15, tu laisses passer le Siyam Tov, donc tu ne peux pas brûler les kochim, on expliquera tout ça plus dans les détails, mais pour le moment, donc tu reportes ça au 16 Nissan, à la sortie du Yom Tov de Pessah, là-bas tu le brûleras. Pour le moment, je peux m'arrêter là, c'est pas la peine de continuer à Birhanan Ben Broka. Le principe, il est très simple. Un korban qui a été invalidé à la consommation, si c'est intrinsèque à lui, alors maintenant, il faudra le brûler. Kol, tous les psoulim des kochim, on les brûle. Baesh Issaref, c'est dit plein de fois, bientôt on va commencer le Sefer Vaikra. Vous pourrez voir que quand on a un korban, Baesh Issaref. On brûle, il n'y a plus rien à faire, donc on brûle. Alors, il ne faut pas le jeter de manière méprisante, mais il faut le brûler. C'est une règle. Maintenant, on différencie dans notre Mishnah quelque chose d'important, en disant, si le problème il est dans le korban lui-même, il a été mal fait, il a été mal conservé, il est devenu impropre lui-même, alors on le brûle tout de suite. Mais si toutefois, le problème, il est très bien en lui-même, le korban, il n'a aucun problème. Le problème se trouve chez le propriétaire qui est plus apte à le manger. Dans ce cas-là, tu ne peux pas prendre un kochim qui est apte à la consommation, même s'il n'y a pas de demandeur, même si concrètement, personne ne va pouvoir le manger. Mais en tout cas, c'est un kochim qui n'a pas de problème intrinsèque. Donc du coup, tu ne peux pas le brûler, tu n'as pas le droit de détruire un kochim pour rien. Un kochim impropre à la consommation, tu peux le détruire, mais pour le moment, tu dois laisser. Alors il faudra le laisser passer la nuit, comme ça, lorsqu'il va passer la nuit, alors il va transgresser l'interdit, il va devenir impropre à la consommation de toute façon, à cause de l'interdit de l'INA. L'INA, c'est faire passer la nuit. Velo yalin chelev chagi ad boker. On déduit comme ça de velo totiro mimino ad boker par rapport au korban pessah. Il ne faudra pas en laisser jusqu'au lendemain matin. Donc si tu l'as laissé le lendemain matin, velo notam mimino boker ad boker baesh tisrofu. Baesh isaref, je ne sais plus. Je crois qu'il y a même deux psukim qui le disent. D'accord? Ce qui va rester le lendemain, il faudra le brûler. Donc là, c'est dit. Il faudra le. Dans la paracha de Hachodesh qu'on a lu. Et il faudra le. Donc il faut le brûler. Que le lendemain, une fois qu'il a été impropre à la consommation. Donc la Mishnah, en fait, elle me dit une règle très simple.
Le corban, il a eu un problème lui-même. Tu le brûles, il n'a pas eu de problème, mais concrètement, il n'y a plus de demandeur, il n'y a plus de consommateur. Alors là, tu le laisses devenir impropre en le laissant passer la nuit et seulement après tu le brûleras. D'accord? En théorie, on pourrait le brûler dès le lendemain, le 15 Nissan, il a été invalidé. Sauf que concrètement, il y a une halakha particulière, qu'on ne brûle pas les kodshim à Yom Tov. D'accord? Tous les kodshim impurs qui sont devenus impurs, on ne peut pas les brûler. On a appris, c'est le même principe que dans la Mishnah qu'on lit tous les vendredis soirs à la Beta Knesset, que, on s'est dit, En, Badekin, Bechamen Serefa, Be Yom Tov. À Yom Tov, on ne prend pas du Shemen Srefa. Shemen Srefa, c'est de l'huile de Trouma qui a été invalidée, que toute sa fonction maintenant, c'est juste d'être brûlée pour éclairer. Même elle, on n'a pas le droit de la brûler pendant Yom Tov. Tout ce qui est, tous les kochim impropres à la consommation, qu'on ne peut plus manger, même si tu peux même en tirer profit comme de l'huile de Trouma, tu n'as plus le droit de la brûler pendant Yom Tov. C'est déduit dans cette Gemara et la même Gemara dans Shabbat de Psukim. Donc, je reviens. Tu ne pourras pas. Donc, si le korban maintenant, tu peux pas, quoi qu'il arrive, un korban impropre à l'ensemble, tu ne brûles pas. Donc, lorsqu'il est devenu impur, dans la première partie de la Mishnah, ou bien que tu l'as fait sortir des limites de Yerushalayim, tu l'as fait sortir que maintenant il est devenu impropre à la consommation, que la Mishnah me dit tu peux le brûler tout de suite, on parle bien sûr que le Shabbat, que le Yom Tov n'est pas encore rentré. Tu es encore dans l'après-midi du 14. Là, tu le brûleras tout de suite. Mais si le Yom Tov est rentré, de toute façon, il faudra attendre le surlendemain, c'est-à-dire de passer toute la journée du 15 Nissan pour le brûler le 16 Nissan. Ok? Je crois qu'on a dit tout ce qu'il faut pour la première partie de la Mishnah. Et donc on continue la suite de la Mishnah. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Avzei Saref Miyad. Rabbi Yochanan ben Broka, il ne rentre pas dans cette considération. Il te dit, même le korban dont les propriétaires sont devenus impropres à leur consommation, eh bien, il Saref Miyad, tu pourras le brûler tout de suite. Soit assis dans l'après-midi du 14 Nissan, après qu'ils ont fait la Shrita du korban Pessah, ils l'ont rapporté à la maison et malheureusement, tous les propriétaires sont morts. Ils devaient le manger à trois, les trois, ils sont morts. Et bien le korban Pessah, selon Rabbi Yochanan Broka, il nous dit, tu pourras le brûler tout de suite. Pourquoi? Les fichiers en le ochlin, parce qu'il n'a pas de consommateur. Qu'est-ce que ça change? Si c'est intrinsèque ou extrinsèque, c'est pas vrai. Dès que c'est un corban qui ne peut pas être mangé, il n'a plus de fonction, il n'a plus de yehoud, il n'a plus de destination à être consommation. Il est devenu impropre à la consommation. Précision très importante du Barthénois, en réalité c'est une grande marque dans la Gemara, comment interpréter cette Mishnah, qu'en fait Rabbi Yochanan ben Broka, il a juste parlé d'un cas particulier. Il a parlé d'un cas où on a fait la shrita du korban Pessah lorsque le propriétaire était vivant, mais on n'a pas fini de faire la shrita qu'on a fait la zrika, le korban Pessah, il faut lui faire la shrita, l'égorger réceptionnellement, elle l'asperger sur le misbar. On parle que le propriétaire, il est mort en tout dans cet intervalle de temps. Et donc on a fait la shrita du korban Pessah, il te dit, la shrita, elle a été faite mal. Elle était mal faite puisque tu as fait la zrika d'un korban Pessah pour un Pessah où il n'y a pas de consommateur puisqu'ils sont tous morts. Là, donc, ça a été un korban qui a été invalidé. De toute façon, alors, puisqu'elle a été invalidée, même si finalement, il a été nishrat qui est ilchato, tu as fait la shrita comme il se devait, puisque finalement, la zrika, elle était mal faite, puisqu'il n'y avait plus de propriétaire, ça s'appelle aussi un problème intrinsèque. Mais selon cet avis-là, Rabbi Yochanan ben Broka pense, lui aussi, que si on avait le korban Pessah comme il se devait, et une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils sont morts ensuite, alors même d'après Rabbi Yochanan ben Broka, en réalité, il faudra attendre le 16 pour le brûler. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout vous allez.